Salut, c'est Boisdin, je vais bien, j'espère que vous, ça va. Préparez votre plus beau Kamehameha, car on va faire la proposition de Bob des Winchester, Tapion qui joue de la batterie parce qu'il en a marre de sa flûte. D'ailleurs, mon petit Bob, c'est un ocarina. Alors, je commence par un croquis. Heureusement, dans Dragon Ball, ils ont tous à peu près la même structure, ils ont tous la même gueule. Voilà, un truc comme ça. Alors, Tapion, il a des grandes oreilles. Il joue l'ocarina et il apparaît dans le film Dragon Ball numéro 13 que j'ai regardé avant-hier pour réviser un petit peu, pour voir à quoi il ressemble. Voilà. Je vais m'arrêter là, sinon j'aurais plus le temps. Il est compliqué à dessiner, ce bonhomme. Voilà, ça, c'est ça. C'est super crête, hein, c'est un punk Tapion. Donc, est-ce que ça ne vous fait pas penser à un personnage de Nintendo? En tout cas, moi, si. Il y a des trucs comme ça. Ouais, bah, donc les grandes oreilles d'Elf, l'ocarina. Voilà, ils ont copié sur Link, hein, c'est une évidence. Il renferme un démon, Tapion. Si vous avez vu le film, donc son histoire fait penser à celle de Kaioshin mélangé à Trunk, parce que il a un caractère qui ressemble beaucoup à celui de Trunk, le petit Tapion. Voilà, hop, c'est horrible, mais je peux pas faire mieux. Sinon, j'aurais pas le temps de faire la batterie, son corps, tout ça. Alors, il a une espèce d'écharpe, et il a des épaulettes aussi. On va faire ses épaulettes, voilà. Ses bras avec ses petits doigts, et il doit tenir des baguettes. Voilà, il tient une baguette, il tient une autre baguette. Il reste 30 secondes, voilà. Easy. Et il a des gants aussi, voilà. On va dire que c'est des gants, hein, voilà. Si je me souviens bien. Et j'ai plus beaucoup de temps, alors la batterie ça va ressembler à ça, voilà, hein. Et une timbale, une cymbale. Et voilà, je peux pas faire beaucoup mieux. Il a une position, on dirait un petit peu qu'il est on est les sex boom. Voilà. C'était pas un 2 minutes pour dessiner très facile, hein. Je pensais que j'aurais plus de temps pour la batterie par exemple, mais j'ai réussi. Vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à faire des propositions. Je le rappelle, vous pouvez prendre celle que vous avez déjà fait, et c'est seulement sur la dernière vidéo sortie. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, au Twitter, au Facebook, et très important, le plus important, partagez. Ça me fera très plaisir. A bientôt, et lâchez-vous dans les propositions.